Salut à tous. Donc calmez-vous sur le plateau, bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Il est ferme là. C'est lui. Déjà avec ta chemise, la luxe. Non, il est beau, il est beau de vaste sa chemise. Non, non, je la juge. Mais vite ta gueule. Totally Spice. Puis... C'est la bonne réponse. Arrête. Je suis sorti avec une des Totally Spice. Elles sont très sympas. Très sympa. Avec laquelle La Rookie. La j'ai oublié son prénom. La famille pirate. C'est la bonne réponse. Okay. Un petit suspense. Ouais. Bravo, bravo. Oui. Ouais. Tu regardais. C'est vraiment oui, la famille Clochard un peu en plus. Un peu, ouais. Ouais, un peu. La famille Notre-Dame-des-Landes. Je crois que c'est Zaz là. Oui, Zaz. C'est la daronne. Zaz ici, on lui fait ça, peut-être. Hein. Ça n'a pas lui arrivé souvent en même temps. Bravo. Tout le monde connaît ça aussi. Si tu le veux. C'est Wings. C'est la bonne. Oh, non, mais là, il est bon. Non, mais vu les choses, bâtard. C'est quoi la réponse? C'était les Wings. Ça, c'est vieux, les Wings. Hein. Vraiment, j'avais genre 8 ans. T'as fait Disney Channel. T'es quelle année, toi? La personne. Ah, c'est chlore. 82, 82. Oh, mais ça va. On a 9 ans d'écart. C'est pas ce que m'a dit mon médecin généraliste. Tripoter le petit paquet. Toucher le gros lot. Oh putain, très très bon. C'est impressionnant, Hugo, là. Toucher les couilles, mais. Oh putain. Alors là, tout va jouer là. Tout va jouer là, messieurs, dames. Je veux mettre aucune pression ici. Mais tout vous... est entre vos mains. Tout est jouable ici. Oui, on a compris. Celui qui prend ce point. Pardon. Kim Kardashian ou Katy Perry? Alors, Kim K, à part sucer une bite, qu'est-ce qu'elle a fait finalement? Bah, mais c'est pas ça la question. Mais non, mais je réfléchis dans la variété. Un objet que j'adore, un objet cuisine. Et on est parti! D'ailleurs, vous savez, vraie anecdote, hein, j'avais demandé pour le grand quiz barrière, j'avais demandé est-ce qu'on peut avoir Gims? En vrai, j'avais demandé, oh, ce serait trop cool d'avoir Maître Gims. Il m'a dit, ouais, il prend 100K. Je fais, bon, on va prendre Vince le magicien. Robert Pattinson ne devrait pas reprendre que Kristen Stewart. Elle l'a trompé comme une chienne et elle le fera encore. Vous allez voir, il peut trouver bien mieux. C'est vrai. Ah bah oui, tu l'as, bien sûr. Patrice Carteron. Jérém Star. Jérém Star, non. Tex. C'est vraiment connu. Sardoche. Eh, tu sais que ça aurait pu, hein, ça joue rien. Ceci, c'est vrai, elle a trompé. C'était sûr. Mais en vert. Ah ouais, j'ai pas mis en vert, attendez. Ok, Google, allume la lumière portable en vert. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, I don't feel so good, Mr. Stark. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ah. Je vais faire 28 ans. Mais ma femme, elle fait partie des gens, elle fait non. On va aux courses ensemble, même pour deux trucs. Et je dis, bah non, c'est chiant en fait. Enfin, genre là, tu m'énerves, c'est relou. Vous gérez beaucoup plus vite. En plus, les femmes, c'est insupportable dans les magasins. Enfin, genre, moi j'ai une liste, je sais que j'ai trois trucs à acheter, frère. Je vais aux trois points où je dois acheter les trucs, je les prends, je vais à la caisse et je me casse. Oh, mais tu as vu, mais c'est quand même pas une réduction sur ces couches. Mais tu as vu ce lait maternel incroyable. Non, mais ça, c'est la dernière crème. Je m'en bats les couilles, frère. J'en ai rien à foutre. Fous-moi la paix. Y a des gens partout qui cassent les couilles, je déteste ça. Hein, va te faire enculer. Ouais, ma femme elle me dit, oh putain, ça par contre c'est bien. Et elle me montre quoi? Vous connaissez la marque Kärcher? C'est une marque, c'est Nicolas Sarkozy qui détient tous les droits dessus parce que nettoyait quelques cités avec. Mais en fait, je vois les nouveaux aspirateurs Dyson et tu sais, ils me regardent. Tu peux être Manuel Ferrara, je t'aspire la bite avec. Manuel Ferrara, c'est une femme. Hein. Je vous le dis. Ah, il a un vagin. Ça aspire tellement fort. Ah, c'est magnifique. On adore, on a tous testé. Du coup, le mec il nous fait tester le son. Ça pète, ma femme me fait, ah ouais, c'est pas mal et tout. Et le mec il dit, par contre, je dis, bah elle est à combien? Il me fait, bah elle est à 569. Je fais ah ouais quand même ok. Et avec le caisson de basse et tout, il me fait non non, le caisson de basse c'est à côté. Et là du coup ma femme elle me regarde, je la regarde et j'étais en mode Et je dis le caisson de basse du coup il est pas vendu avec. Elle me dit non, il est vendu à côté. Et je dis bah il a combien? Il fait ah, le caisson de basse c'est 480 €. Au final, quand j'ai installé la soundbar Bose en bas avec le caisson de basse, déjà le son est super cool. Genre, ça fait juste super plaisir. Je prends un maximum de plaisir. On s'est regardé, j'avais jamais vu Jurassic Park, Fallen Kingdom là, avec les basses et tout. Je peux vous dire que ma femme a pissé dans sa culotte à côté de moi. Oh non, le T-Rex, oh, arrête, non, je vais l'attaquer. Oh. Débrouiller tout, c'était génial. Le bureau, bah, le bureau est là, ouais. Regardez. J'étais en STIGE, j'ai passé mon bac, je suis passé de 42 heures de cours par semaine
à 15. C'est ça la fac, hein. C'est pas oh, je regarde mon emploi du temps, j'ai tant d'heures. Non, c'est je sais pas si j'y vais aujourd'hui. Voilà, c'est ça la fac. Donc, faut arrêter de me prendre pour un américain, ok? Messieurs, dames, si j'ai pas fait de conneries, là, si on lance, ça fonctionne. Non. D'habitude, je le fais sans aucun souci. Putain, je suis payant. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vu que je... Oh, les amis, c'est peut-être... Non, on me dit pas que... Moi, je vais me mettre là. On y va. La gige. Merde. Là, on est sur un dîner spectacle, hein, les gars. on mange du Subway, parce que c'est notre sponsor. Oh. Et ils régalent à chaque fois. Je suis pas partisan de manger en live, mais aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Ouais, non, mais j'avais faim en plus, donc c'est parfait. J'ai juste la gigadale, quoi. Oh, bien vu. Oh là là. En fait, tu vois, plus quoi. Oh là là. C'est un Patek Jump. Oh là là. Ah ouais, maman de pieu. Oh ouais. Oh, valoche. Putain, retweet, genre, c'est ta plus grande fan, en fait. Oh, vraiment. Est-ce qu'elle était contente quand, genre, t'as rejoint le stream? Bah oui. Ouais. Genre, au début, elle était en mode... En fait, t'arrêtes de travailler. En vrai, c'est assez gros. En termes de sécurité. Ouais. Quoi, t'as rassuré ta mère de ouf? Ouais, ouais, une paye de ouf en plus. J'arrête mon boulot. Du coup, Gigi, c'est un bon coach, les gars. Eh, Gigi, c'est le meilleur coach. Meilleur coach, ouais, gros, c'est genre. Le meilleur coach. On va montrer comment on joue au Stunfest. Clairement. Je suis une hileuse. Rien à voir. Rien à voir. Aucun rapport. Vas-y, lance. Ouais, aucun rapport. Aucun rapport avec la pioche. Mec, on a jamais fait un dégât. Ferme là. Mais c'est ouf. Oui, ouais. Bah oui, regarde. Trop fort. Jamais un dégât. Si, si, si. Moi, j'ai fait des dégâts. Si, si, hein. Les dégâts étaient là. Hyper cool, s'il te plaît. Ah oui, genre ton petit blond, c'est un connard, quoi. S'il te plaît. Tu m'en piques une? Ouais, s'il te plaît. C'est juste, j'ai pas vu. Pourquoi tu fais ça? Tu viens d'en piquer une juste avant. Retourne pas la situation. C'est fou. Attends, il m'enlève les cartes depuis le début. Je vais pas piquer. Tu les vois? Mais je t'ai rien piqué. Si, tu as pris une carte. Non, je la redonnerai. T'inquiète, je la redonnerai si c'est pas, si c'est bien, t'inquiète, je te la redonnerai. Allez, amen. Allez, amen. Il a trigger. Oh non, t'aurais dû prendre là. Hop, tac. Allez. Shuffle. Il faut 4 piles. J'attends de voir. Ça ne peut pas être moi le traître. Tiens, 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 Sky. Oh là là, moi je suis très bien. Tiens, 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 Sky. Oh là là. T'as mis quoi? Un médicament. J'en étais sûr. T'es la reine du salope. J'ai mis un médicament aussi. Non, attends. Oh non. Fais voir si t'as un médicament. Mais je vais pas te les montrer. Du coup, on va tous geler pour crever, sale traître. C'est pas moi. Traître. Comme par hasard. Attends. Tu vois, regarde, c'est la salope dans le game. Mais vraiment, allez, go l'exiler, go l'exiler. On va l'exiler direct. Attendez. Je prends uniquement les gens qui sont au minimum dans le top 100 de World. Sinon, c'est même pas la peine de me parler, ok? Revenez quand vous serez séant. Je suis désolé, je vois que du bronze en fait. Oh putain! Oh, ça je prends. 1364, trop chaud mec. 1258, mais je suis obligé de prendre. Trop chaud mec. Tu es même pas séant. Bon bah les couilles mec, que je sois séant ou que je suis pas séant. Moi, vous voulez que je sois séant là? La tête de ma mère, on va en arène. J'arrête pas tant que je suis pas séant. Vous faites trop les beaux avec moi. La communauté qui, comme on l'a vu, est principalement bronze. Hein. Oh là là! Ça fait mal. Non mais bien sûr, je vais enlever le séant hein, parce qu'on rigole, Mais on voit pas le fond du bol. Je prends pas du bronze. Voilà, faites un effort. Jouez un peu en arène. Je prends pas du bronzos. La tête de ma mère que je le fais. Je suis le joueur FR, Et il le fait devant quasiment 1800 personnes qui assistent à son règne. La chatte. Elle femme au sous-chat. C'est une OP. Filez-moi 100 balles. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, poste coupe de première de la classe. Écoute Jean-Charles, file avec ta mère. Après, je vais pas vous mentir que maintenant, au final, Come2Us m'a remboursé de tout l'argent que j'ai mis dans le jeu. Avec les OP. Ah ouais, parce que là, j'ai eu les OP derrière, je peux vous dire que le remboursement est présent, quoi. Non, c'était l'OP de Barrière que je parlais dans Rime Royale. Que je disais, ouais, ça va être la plus grosse OP de toute ma vie et tout. Et à Barrière, ça paye la moitié de la Tesla, c'était la famille. Et là, d'ailleurs, ils m'ont reproposé de faire os pour Summoner's War pour les championnats du monde. Voilà, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup t'avoir en host. Bah, c'est vrai que j'ai été un très bon host au Comédia. C'est vrai que. Un des meilleurs comédiens qui était passé par là, quoi. Je vais leur dire, ouais, mais va falloir revoir mes tarifs à la hausse, les mecs. Je le ferai pas à moins de 100 000 euros. Ah, si je le fais, c'est pour vous, hein. Et pour l'argent aussi. Mais c'est avant tout pour vous, ok? Et pour l'argent aussi.